Euh, la relation euh, au corps et l'éducation du sport et le sport de masse avec une question, euh, Antoine, question qui a fait un petit peu polémique dans l'actualité ces, ces dernières semaines. Alors, je, je, je suis un peu embarrassé de, de n'avoir à poser que des questions polémiques à Madame le ministre, euh, mais évidemment, je, je vais rebondir effectivement sur un sujet qui... A fait grincer euh, voilà, et, qui, et qui divise, puis qui y, y touche un, un sujet sensible qui est celui de la relation du sport à la laïcité. Donc évidemment, vous voyez où je veux en venir sur la question du port de l'Ijab euh, pour les femmes, mais également du. du... On parle de Lydia running que la marque du... Decathlon a, a voulu commercialiser et Exactement. qui a été retoqué, qui a dû retirer les, les produits de, de la vente. Hein. De la même manière voilà. que le, mmh. le, burkini pour, le burkini pour la natation mmh. et donc. Peut-être encore plus sur ce, cet équipement, je, je pose la question à madame la ministre sur effectivement euh, son avis, son point de vue, euh, et puis euh, effectivement euh, la relation qui peut exister entre différents types de cultures, de religions, avec le sport. Mon avis, c'est qu'il euh, y a toujours... Euh une réponse simple à un problème complexe, et c'est jamais la bonne. C'est pas de moi, je sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est vraiment ça, parce que dans le sport, euh, ce problème se pose au quotidien, parce qu'il y a des gens qui veulent venir faire du sport, et qu'ils ne trouvent pas euh, l'accueil qu'ils aimeraient avoir, et qu'il y a des gens qui ne vont pas faire du sport, et qui restent chez eux parce que, euh, euh, parce que ça fait pas partie de leur culture. Euh, moi, mon objectif en tant que ministre des Sports, c'est d'aller chercher les gens d'aller chercher les gens comme ils sont et je suis convaincue que les valeurs du sport euh, voilà pour moi en tout cas celles que euh, nous promouvons dans le sport sont celles de la République ce sont les valeurs de la République et que en amenant les gens euh, comme ils sont là où on est allé les chercher avec un, un voile sur la tête ou sans voile sur la tête et eh bien euh, euh, petit à petit en leur permettant de vivre une mixité sociale eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir œuvrer pour les valeurs de la République voilà. Alors euh, après, il y a, a d'autres points de vue. Ça, c'est le mien, c'est celui que du sport finalement. Mais sachez que ce problème-là se pose et il y a beaucoup d'éducateurs qui sont face à ces problématiques, que ce soit dans les piscines, dans les associations sportives. Euh, nous, on a une forte action au ministère des Sports, une des plus fortes d'ailleurs dans le plan contre la radicalisation qui a été proposé par le Premier ministre. Donc nous avons au quotidien.